J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne sur Mining City. Donc, voilà, je suis dans mon compte ici. Voilà, j'ai créé mon petit compte. Vous avez vu, j'ai pris la machine à 2 dollars. J'ai aussi acheté la machine à 20 dollars qui mine 1,54, 59 dollars par jour avec une vitesse de 130 TH. Et c'est sur 100 jours. Donc ça donne au total 154 dollars. Et on a droit à prendre cette machine-là une seule fois, une seule quantité. Il y a aussi la machine de 120 dollars qui elle rapporte 8,67 dollars par jour. C'est sur 120 jours. Donc au total, ça vous fait 1034. Voilà, ainsi de suite. Voilà, moi j'ai pris la machine de 20 pour voir le système. Et voilà, vous voyez que ici, ça a fini de miner. Donc, ça m'a miné 1,54,56. Alors, quand je finis de miner comme ça, vous voyez, le minage a arrêté. Donc, il faut cliquer sur Get pour pouvoir, voilà, vous avez vu, avoir ce que vous avez miné. Donc, le compteur se remet à zéro et il faut relancer le minage en cliquant sur Start, simplement. Voilà, vous avez vu, le minage va repartir tout à l'heure pour encore 24 heures. Donc, disons demain à minuit 33, je dois encore relancer le minage. Donc, ainsi de suite, on relance. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, la petite partie du bas, vous voyez où c'est marqué The post has been shared. Ici, avant de mettre votre minage à jour, vous devez ici poster. Poster une publicité de l'opportunité à un ami sur Facebook, WhatsApp, Twitter ou Telegram. Voilà, quand vous envoyez le message à votre correspondant, vous faites la capture du message envoyé et vous venez envoyer ici cette capture-là au support. C'est là maintenant qu'ils vont valider et vous pourrez maintenant mettre votre machine en marche pour choses. Mais je vous préviens que c'est chaque 72 heures que vous devez faire la pub quand vous avez une machine qui est en marche. Par exemple, moi, comme ça, j'en ai chaque 3 jours, je dois venir faire une pub. Voilà, après 72 heures, je dois encore faire une pub, lancer et ainsi de suite. Donc, voici l'opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore ici? Bon, là, vous voyez ici, j'ai levé un. Mais quand vous vous inscrivez, pour la première fois, là où c'est marqué Verify, là, c'est mis pending. Donc, vous devez cliquer là-bas pour faire votre KYC. Ici, tant que vous ne faites pas votre KYC, vous ne pourrez pas acheter des machines. Vous ne pourrez pas aussi mettre une machine en marche pour le minage. Le KYC est un élément très, très important. Après le KYC, maintenant, vous allez passer maintenant du côté, voilà, ici, de la pub, ici. Et maintenant, après ces deux étapes, vous pourrez maintenant acheter votre machine. Alors, pour acheter la machine, c'est très simple. Si vous voulez acheter la machine, vous cliquez ici sur recharge. Simplement, vous cliquez sur recharge. Et vous voyez ici, c'est en USDT TRC20. Vous copiez l'adresse et vous faites le dépôt. En USDT TRC20, quand vous faites le dépôt, vous patientez. Alors, quand le dépôt est vérifié, ça va se déposer dans balance ici. Et une fois que c'est dans balance, maintenant vous pourrez maintenant choisir et payer la machine de votre choix. Voilà, il y a plusieurs machines. Voilà, il y a la machine de 2 dollars, la machine de 20 dollars, la machine de 120 dollars qui est en fait qui est un bloc de machines. Il y a la machine de 300 dollars. Voilà, donc voici un peu les différentes machines qui sont là. Voilà. Il y a aussi le système MLM aussi. Voilà, vous pouvez avoir des équipes. Voilà, vous pouvez bâtir des équipes. Si vous partagez votre lien, voilà, vous pouvez avoir le cas VIP 5. Bon, qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Bon, voilà, vous voyez qu'ici, j'ai une équipe de 18 personnes dont 2 ont acheté. On va rentrer, voilà, 22, 40. Qu'est-ce qu'on va vous montrer encore?
promotion. Voilà, niveau 1. Ensuite, niveau 2, niveau 3, etc. Vous pouvez voir, voilà, ma subordinate, voilà. Vous avez ici trois niveaux. Le level 1, le niveau 1, le level 2, niveau 2, le level 3, niveau 3. Voilà. Donc, tous ceux-là ici sont inscrits, mais ils n'ont pas encore payé, à l'exception de celui-là qui a payé son pack de 20 et celui-là aussi qui a payé son pack de 20. Voilà, tous les VIP 0, ils n'ont pas encore acheté de machine, ni celle du 2, ni celle du 20. Voilà, vous pouvez acheter la machine de votre choix. Mais sachez que vous avez droit à une machine. Voilà. Donc, je reviens encore ici pour vous dire que selon vos moyens, vous pouvez payer la machine de 2$, 20$, 120$, mais une machine par catégorie. Une machine. Donc, la prochaine machine que je vais acheter, ce sera celle de 120$ afin d'avoir 8,60$ par jour. Si j'ai encore plus de moyens, je peux m'offrir celle de 300$, ainsi de suite. Voilà. C'est un peu ça. La seule différence, les machines, c'est ce que ça mine de manière journalière et puis le temps. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre cette opportunité qui est à ses débuts et sur laquelle il faut profiter. Elle a été juste lancée le 2 avril. Donc, il faut bien profiter de cette nouvelle opportunité appelée Mining City qui va vous permettre d'avoir des USDT. Alors, dans mon cas, j'ai ici quand même miné pas mal. Je suis déjà à 12$. C'est que sur le retrait, c'est 2$. Donc, si vous êtes déjà à 2$, vous pouvez retirer. Mais les charges, ils vont prendre 1$. Donc, si je veux retirer ces 12$, on va me faire moins la charge de 1$ et on va m'envoyer 11$. Mais je vais faire le retrait dès que je vais atteindre 15$ et je vous ferai la vidéo sur le retrait. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé à bien comprendre cette opportunité sur le minage des USDT que vous pouvez avoir grâce à cette opportunité qui a démarré depuis le 2 avril 2024. Voilà, je m'arrête là et puis si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter.